Erev Tov, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude sur les halakhot relatives au Gomel et parler à présent de l'une des situations évoquées précédemment pour lesquelles nous avons un devoir de dire la bracha du Gomel. Je parle d'une personne qui voyage, qui se déplace donc de ville en ville et qui a le devoir, sous certaines conditions, de dire le Gomel. Quelles sont ces conditions-là? La halakha notifie, pour le public séfarade bien entendu, lorsque le voyage a duré plus de parsa, plus d'une durée de 72 minutes, on dira la bracha du Gomel dans la mesure où on a quitté une ville pour entrer dans une autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas effectué un voyage d'un côté de la ville vers le second, vers l'opposé. Même si ce voyage a duré 2 heures, ce n'est pas considéré comme un voyage pour lequel on dira le Gomel. Il faut vraiment quitter la ville et que le voyage dure 1h12 à l'extérieur de la ville. Que ce soit un voyage en voiture ou en transport, le principe est le même. Pour les Sfaradim, on considère que l'ensemble des routes, l'ensemble des trajets sont les Cheskat Sakana, sont dangereux. Même si aujourd'hui les temps vont un peu changer, on considère en soi que le voyage lui-même, le concept même du voyage, c'est quelque chose de dangereux. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire, d'après les Sfaradim, d'entreprendre un voyage dans un chemin qui est considéré comme un vrai chemin dangereux pour devoir dire le Gomel. À partir du moment où j'ai quitté la ville pour aller dans une seconde ville et que mon voyage a duré, je disais, plus de 1h12, je dirais la bracha du Gomel. Ce principe est le même pour la tefilat aderer. Vous savez qu'on doit dire la tefilat aderer à partir du moment où on entreprend un voyage qui a duré également plus de 1h12 en dehors de la ville. Celui qui est au volant peut également dire la bracha du Gomel dans la mesure où, bien évidemment, il connaît la bracha par cœur, parce que ça serait inutile que de dire pendant qu'une personne conduise la bracha lui suggérerait pas de regarder son téléphone pour dire la bracha en question. La bracha de Gomel, pour revenir et terminer sur ce premier point, c'est une des brachas que l'on dira sans Shem ou Malchut, sans le nom d'Akadosh Baruch Hu, si le voyage a duré un petit peu moins que le temps que j'ai évoqué précédemment. On dira la bracha, mais sans Shem ou Malchut. Si par contre le voyage a duré dans l'aller et le retour plus de 1h12, dans ce cas-là, on pourra donc dire bracha bishem ou malchut. En synthèse, on doit dire la bracha en sortant d'une ville pour aller vers une autre si le voyage a duré plus de 1h12. Et cette durée-là, elle peut être comptabilisée même entre le chemin de l'aller et le chemin du retour, dans la mesure où ça s'est fait dans la même journée. Mais on fait une petite vidéo.